Le ministère public a la parole pour la suite de ces questions. Oui. Attendez, monsieur le procureur. Monsieur le président. Oui. Mon client avait fait état d'un certain nombre de pièces. J'aimerais, avec votre permission, avant que le parquet ne prenne la parole, communiquer les dites pièces. Allez-y. Merci, M. le Président. Allez-y. Merci, M. le Président. Honorables assesseurs. Bonjour, M. Blaise Goumou. Bonjour, M. le Procureur. Donc, à l'audience du mercredi dernier, vous aviez donné des explications par rapport à la compétence du ministère d'État chargé des services spéciaux de l'antidrogue et de la lutte contre le grand banditisme. Alors, le ministère public voudrait savoir ce que signifient les services spéciaux. Services spéciaux, ce sont les services de renseignement. Les services de renseignement généraux. Pas généraux, des services de renseignement dans le cadre des opérations. Quels sont vos rapports avec la présidence en cette qualité? Aucun rapport, à ma connaissance. Dans ce cas, où se situaient vos bureaux? Le bureau, au départ, nous étions dans l'enceinte de la présidence. Deux mois après, nous sommes revenus, on est sortis carrément de la présidence pour venir à côté de l'école primaire du camp. C'est-à-dire que quand vous quittez Yimbaya, vous rentrez au camp, le premier bâtiment que vous allez rencontrer à droite, c'est là où nous étions restés maintenant. Mais c'est toujours au sein du camp Alpha Yaya, non? Oui, c'est toujours au camp du camp Alpha Yaya, mais ce n'était plus à la présidence. Alors dites-nous, à quel moment est-ce que vous avez trouvé des bureaux à Kolea et ici à Koronti? C'est après là-bas que le commandement a octroyé un bureau à Kolea ici. Ça, c'était à quelle époque? C'était toujours à l'époque du CNDD ou après CNDD? Bon, c'était toujours à l'époque, je pense bien, au temps de général Konaté. Ça, c'était après Dadis maintenant. Ça, c'était après Dadis. Oui. Au moment où vous étiez au sein du camp, selon vous, vous dites que vous n'avez aucun rapport avec la présidence. Qu'est-ce qui justifie alors la présence de vos bureaux juste à côté de la présidence, ou en tout cas au sein du camp Alpha Yaya Diallo? Mais c'est le décret qui a précisé ça, monsieur le procureur. On dit secrétariat d'État à la présidence, chargé des services spéciaux,
de la lutte contre la drogue et du grand banditisme. Le bureau a été donné à notre chef là-bas. Donc, nous, on ne va pas dire que pourquoi vous nous avez donné le bureau à la présidence. On ne vous a jamais dit de poser cette question, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on vous a donné des bureaux à la présidence. Mais vous venez de dire tout de suite qu'il n'y a aucun rapport entre vous et la présidence. Vous l'avez dit, non? Vous savez, non, je ne sais pas. Il n'y avait aucun rapport. Quand je dis aucun rapport, à la présidence, chacun avait sa mission. Eux, ils étaient au niveau de la garde présidentielle. Nous, notre bureau était là pour les services dont je viens de faire allusion. Dans le même ordre d'idée, lorsque vous avez des renseignements, qu'est-ce que vous en faites? À qui vous rendiez compte dans ce cas? Si nous avons des renseignements dans le cadre opérationnel, eh bien, on a un chef. On rend compte à notre chef. Les éléments qui sont chargés du renseignement, ils rendent compte à notre chef. Ensuite? Mais si le compte rendu est remonté au niveau du chef, le subordonné n'a rien à foutre dedans. Non, mais vous n'êtes pas un tel subordonné. Vous vous aviez dit ici, par rapport à tout ce que vous avez donné ici comme information, votre bagage intellectuel, donc vous êtes censé être informé par rapport à tout ce qui se passe en termes d'information, en termes de renseignements que vous avez recueillis. Donc vous devez connaître la suite logique que devaient suivre ces informations. Monsieur le procureur, encore une fois de plus, je suis un militaire. Le militaire, le subordonné, rend compte à son chef. Il n'a plus besoin de dire à son chef, le compte rendu que j'ai remonté à votre niveau, qu'est-ce que vous en avez fait de ça, non? Le tribunal appréciera, ce n'est pas un tel compte rendu que je vous ai demandé. Tout de même, le tribunal appréciera. Toujours le mercredi, répondant à l'une des questions de M. le Président, vous avez dit que les deux autres ne m'ont pas dénoncé. À qui est-ce que vous faites allusion? Je veux parler des deux autres qui étaient dans les deux jours pick-up qui étaient sortis avec moi. Et qui sont ces deux autres? Je veux parler de Farimba et de Surikonde. De Farimba et de Surikonde. Oui. Donc, qui vous a dénoncé, selon vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui m'a dénoncé. La question-là, je l'ai toujours posée, monsieur le procureur. Alors, je vais vous aider à répondre à cette question. Merci. Vous croyez bien aux propos de M. Moussa Tcheboro Camara à votre endroit? Bon, si vous pouvez me rappeler. Non, je ne vous rappelle rien. Vous avez travaillé, vous avez collaboré. Vous étiez son adjoint, non? Je n'étais pas son adjoint. Alors, vous étiez son subordonné? Voilà, j'étais son subordonné. Vous avez collaboré? On a collaboré. Donc, vous connaissez l'homme? Je le connais bien. C'est dans ce cadre, je vous demande si tout ce qu'il dit à votre endroit, c'est de la vérité. Si vous pouvez me le rappeler, je vais voir si c'est de la vérité ou bien si ce n'est pas de la vérité. Nous y reviendrons. Nous allons parler de votre présence au stade du 28 septembre. Lorsque vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain, sur l'esplanade du stade? Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Colonel Thiebro à côté de la pharmacie Manizé qui était en train de sensibiliser les jeunes. Nous étions à côté de la station. Eh bien, puisque il y avait assez de bombes, il est monté sur, je pense que la mamba des policiers là, il a commencé à sensibiliser. C'est dans ça que les gens qui étaient de loin, ils ont commencé à lancer
Peut-être certainement il ne percevait pas les informations que lui passait. Avec le tir de gaz lacrymogène perpétré par la police, les gens ont commencé à lancer des cailloux sur lui et sur nous tous. Donc les gens même qui étaient à côté ont commencé à crier. Et nous, on a dit, quittez, 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 il y a les cailloux. Voilà.